Salut tout le monde, on va regarder une story de Mohamed Deni. Donc il fait tout le temps le con sur ses snaps. Donc Mohamed Deni est un célèbre snapchatter, youtubeur connu pour casser des télés. Il a le recordman du cassage de télé quand son équipe préférée perd, tout simplement. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, on va regarder la story et après je dirai mon avis. Tant que j'ai pas mon jus d'orange pressé. Je ne suis pas pressé. Je me presse pas. Ah, on est là, on se plaint pour des petits trucs du quotidien, des trucs de rien du tout. Mais dites-vous qu'il y a des gens, pour Noël, comme cadeau, ils ont eu le coffret Scorpio. Oh là. Pensez à eux, relativisez les gars. Oh là. Dites-vous qu'il y a pire que vous. La vie de ma... J'ai eu ça Noël, j'ai trop la haine, voilà. Mes amis, pour Noël, j'ai reçu le coffret de la honte. Arrête, une fois j'avais acheté ça à mon père quand j'étais petit, carrément avec mon argent de poche, j'ai offert ça à mon père. Mesquine, il a dû souffrir. Ah, je crains franchement, mais je savais pas que c'était bidon, Scorpion, je croyais que c'était un bon parfum et tout, Zama, pas cher. Pas cher, hein. Mes amis, pour Noël, j'ai reçu le coffret de la honte. Voilà, le coffret Scorpio. Scorpu, le seul parfum que tu mets. Tu pues encore plus après. La vie de ma mère, tous les Noëls, on retrouve ce coffret de merde, Scorpu. Horrible. Le seul parfum qui est vendu au rayon dentifrice. Voilà. Tu t'en sers de produits anti-moustiques. La vie de ma mère. Les gilets jaunes, ils l'utilisent comme cocktail Molotov dans les manifs. Oh là les gars. C'est le seul parfum au monde que tu achètes jamais pour toi-même. Voilà. Personne n'a jamais acheté ça pour son usage personnel. C'est que pour offrir. Ces trucs-là, il est fait que pour offrir. Oh là les gars. Et c'est le seul parfum au monde que tu achètes jamais pour toi-même. Oh là, tu mets ça sur toi, la meuf, elle te sent. Hey bébé, t'es malade? T'as mis du Vicks? Non, j'ai mis Scorpu. Oh là, j'ai mis ce parfum qui pue. Oh là, tu le mets, tu transpires et t'as chaud. Oh là, c'est un poison. C'est un virus. C'est le vaccin, les gars. Oh là que c'est le vaccin du virus. Continuez avec les cadeaux de la honte. Le pire, c'est quoi, les gars? C'est le coffret brut. Oh là, on dirait une grosse Xbox. Et on aime trop offrir ça à nos darons. La vie de ma mère, c'est dégueulasse. Oh, le daron, il nous offre la vie. Et nous, on lui offre cette merde. Oh là. Le pire, c'est que le parfum brut, quand il est dans un emballage cadeau, oh là, tu crois que c'est un iPhone 12. Tu crois que t'as une Nintendo Wish. Non, les gars. Oh là, parfum brut pourri. Oh là, tu t'en sers de bombe lacrymogène. Si un agresseur, tu le mets dans les yeux. Oh là, les gars. Ah, mais dégueulasse, ça. Oh là, ce gros carré, on t'offre ça? Tiens, c'est carré, carré. Oh là, c'est rectangulaire, dégueulasse. Quand tu offres le parfum brut à ton daron, il a envie de te bruter, il a envie de te buter, il a la haine, il se venge. Du coup, il offre quoi pour se venger à ses enfants? Le coffret Adidas. Le coffret Adidas pour Noël, dégueulasse. C'est Adi, dégueulasse. Oh là, le coffret, il coûte 9,99 €. Dedans, t'as le shampoing Adidas, le gel douche Adidas, une crème pour les mains, une crème pour les pieds, une crème pour le visage, le parfum, le déo. Le pire, c'est quoi? Une mousse à raser, une mousse après rasage. Oh là! Le petit, il a 8 ans, il reçoit une mousse à raser Adidas. Oh là! C'est quoi cette merde? La vie de ma mère, ils vendent ça au rayon flash à l'alimentation. Oh là, tu le vois, tu crois que c'est un flash. La vie de ma mère, tu vois ça, tu crois que c'est un emballage cadeau. Tu dis un cadeau à l'intérieur. Non, c'est ça le cadeau. Oh là, un porte-cigarette. Oh là, c'est là, frère. Qui veulent se rattraper de leur cadeau indigne pour Noël, les gars. Cadeau indigne. Cadeau indigne. Cadeau digne, les gars. AirPods de chez la marmotte, les gars. La vie de ma mère. Quand il y en a marre d'avoir des cadeaux de merde, il y a la marmotte, sa marmotte. Aucune personne magnifique et pas négligeable. Ah oui, les amis, j'ai un putain de son. Vert. Les amis, je vous explique, hein. Oh là, tous les ans, j'ai un rituel. Tous les ans, le 25 décembre, je regarde Maman, j'ai raté l'avion 1, Maman, j'ai raté l'avion 2. Oh là, les frères, c'est mon petit rituel. Là, je vais aller le faire sous la couette. Il n'y a rien de mieux pour un 25 décembre, les amis. Si moi, j'aurais fait un film sur ma vie, ça aurait été Maman, j'ai raté ma vie. Oh là, Payette, il aurait fait un film, Maman, j'ai raté mon penalty. Le 2, maman, j'ai encore raté mon penalty. Oh là, maman, j'ai raté mon régime, j'ai raté ma diète. La vie de ma mère, les gars.
Donc ce soir, enfin cet après-midi, programme Maman, j'ai raté l'avion, les gars. Mais oui. Avant d'aller regarder Maman, j'ai raté l'avion, il y a aussi Maman, j'ai raté mon pari. Sauf qu'en ce moment, je suis sur une putain de montante, les gars. J'ai fait passer trois paris à l'affilée ces trois derniers jours. Vous êtes témoins. On y va pour le quatrième, les gars? Est-ce que vous êtes prêts? Mes amis, pour vous dire, j'ai fait le vaccin. Ça s'est très bien passé. Hein. Je vois pas pourquoi les gens s'inquiètent. C'est vrai que j'étais un peu frileux à l'idée de me faire injecter un liquide inconnu, à l'heure d'aujourd'hui, qui n'a pas fait ses preuves dans le long terme. Mais finalement, ça s'est bien passé. Hein. Plus de peur que de mal, comme on dit. Ouais, les gars, tout se passe comme prévu. Hein. 4 minutes de jeu, plus 15, la daronne à Miami, les frères. Ouais, les gars, tout se passe comme prévu. Hein. 4 minutes de jeu, le coup de grâce. Allez, showtime, au showtime, les gars, showtime. It's over. La vie de ma mère, it's over. Le coup de grâce. Allez, showtime, au showtime, les gars. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Ennemi. Moi, quelque chose qui m'intrigue là sur les parfums Scorpion et Brut, c'est que comment ça se fait qu'il en a? En plus, il y en a un neuf. Obligé, on lui a offert ça. Obligé, on lui a offert ça, des amis ou quoi. Ils lui ont offert. Pourquoi il les a? C'est pas lui qui va acheter ça. Il n'aime pas ce parfum. Ça prouve qu'on lui a offert, tout simplement. Et il voulait pas le dire directement, il a dit indirectement dans sa story. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.